Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh my god, voici mes pantalons du jour, voici mon haut que j'ai juste d'aller changer, que je me suis dit que ça allait faire plus beau, fait que... Dites-vous que ce que vous voyez c'est jamais la vérité, parce qu'en ce moment ce que je porte c'est fucking laid. Bon, alors aujourd'hui pour la vidéo j'ai été inspirée d'une youtubeuse. Oh my god, je sais même pas comment on dit son nom. Bref, je vais la mettre en description en bas, mais c'est Mila son nom. Pendant la pandémie, moi j'habite dans un village, j'habite en campagne, donc il y a vraiment pas grand chose à proximité, fait que j'ai dû aller au Dollarama un peu plus que d'habitude pour trouver plein de choses. Puis en plus, je viens comme d'emménager dans ma maison il y a 2 mois, fait que je te dirais que la première grosse, pas épicerie, mais mettons sel, poivre, ketchup, etc, des verres qui me manquaient, il y a quand même des vraiment belles assiettes aussi au Dollarama. Je vais peut-être pouvoir vous montrer ça aussi, d'ajouter ça à ma liste. Mais oui, c'est vrai, j'ai acheté plein de choses au Dollarama comme première épicerie, premier kit de survie comme en maison. Avant de m'acheter des trucs de qualité, il y a des bols que j'ai achetés aussi. Ouais, je pourrais vous les montrer. J'avais pas accès au Ikea ou j'avais pas accès au Onsen ou des trucs comme ça. Fait que j'ai été au Dollarama. Puis pour eux, j'étais vraiment surprise. J'y vais pas souvent habituellement. Puis là, j'ai fait des belles trouvailles. Je viens tout juste d'y retourner pour être sûre que ce que j'allais vous présenter aujourd'hui, ça allait être disponible encore. Mais c'est ça, donc j'ai décidé de vous partager mes trouvailles du Dollarama. C'est certain que je suis pas totalement pour la façon que toutes ces choses sont fabriquées. Puis je préfère encourager vraiment ce qui est 100% québécois, mais on s'entend-tu que des fois, à l'Odorama, ça coûte pas vraiment cher. Puis quand ça coûte pas cher, ben on est content. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est surtout des produits qui valent vraiment cher habituellement, que j'ai trouvé au Dollarama, que je suis comme vraiment contente de l'avoir à plus bas prix. Alors, pour commencer, je veux commencer avec ma trouvaille, okay, que je me vante à tout le monde. Moi, dans le fond, je suis fan des bonnes odeurs. J'adore quand ça sent bon chez moi. Donc, presque dans chaque pièce de ma maison, j'ai une chandelle, ok? Puis les chandelles, je les allume presque du matin au soir. Même si je sais que c'est pas super bon pour ma santé et qu'il y a des produits toxiques là-dedans, je m'en fous, ok? Je trouve que ça sent bon. Fait que j'en ai dans presque chaque pièce. Puis quand tu les allumes du matin au soir, on s'entend-tu que la chandelle, elle se finit vraiment rapidement. Puis mes chandelles préférées, c'était les chandelles Bath & Body, comme la plupart des gens. Mais les chandelles 3 mèches à 15$, c'est fucking cher. Puis honnêtement, ça me durait genre 3 jours. Fait que là, je vais changer votre vie pour tous ceux qui sont passionnés par les chandelles. Parce que j'ai trouvé les chandelles du Dollarama qui sont 4$ ici. C'est les chandelles 3 mèches aussi. Est-ce que le focus se fait bien? On va essayer. 3, 4. Ces chandelles-là, qui sont de la marque Evie & Castle, sont extraordinaires. La première fois que je les ai vues, je me suis dit, ok, c'est 4$ pour une chandelle 3 mèches. Pour vrai, je me suis dit, je vais l'essayer. Je l'ai allumée chez moi. Je l'ai laissée allumer 1 heure. J'ai été dévalisée de Dollarama, ok? J'en ai comme vraiment une dizaine dans mon garde-robe. Donc, mes 2 senteurs préférés jusqu'à maintenant, parce que des fois, les senteurs sont disponibles, d'autres fois, il y a des nouvelles, mais d'après ce que j'ai senti jusqu'à maintenant, la rose, c'est ma préférée, c'est ananas et mangue parfumée. Pour vrai, c'est excellent pour 4$. Puis sérieux, elle brûle quand même vraiment longtemps. Ça peut me durer un 3-4 jours, exactement comme Bath & Body. Puis récemment, j'ai découvert une nouvelle senteur qui est coconut et lime. La première senteur, elle sent plus à lime, mais quand tu la brûles, ça sent vraiment plus la coconut avec un petit senteur de lime. Ça sent tellement bon. Donc, je vous les conseille vraiment. Pour vrai, 4$, c'est vraiment un bon investissement. Ils durent longtemps, ils sont super bonnes, alors je vous le conseille. Ma deuxième trouvaille que j'ai été chamboulée quand je l'ai vue sur les tablettes, tellement que j'ai comme demandé au commis, est-ce que tu penses que c'est une mauvaise batch? Mais genre le gars il avait comme 15 ans, il m'a regardé, il était comme, t'es fucky. Tu sais, le gars il sait pas la réponse. Regardez ce que j'ai trouvé au Dollarama. Le shampoing sec Baptiste, je sais même pas si je l'ai dit comme faux, ok? C'est le shampoing sec que j'aime le plus au monde. Avant, je lavais mes cheveux à tous les jours et quand j'ai voulu faire la transition entre laver mes cheveux à tous les jours et laver mes cheveux à tous les jours, j'utilisais le shampoing sec Baptiste, c'est mon préféré, c'est le seul qui fonctionne. En pharmacie, il se vend autour de 10$ et je l'ai trouvé à 4$ au Dollarama. Et encore une fois, j'ai dévalisé la tablette parce que je me disais, c'est sûr que c'est une batch spéciale. Mais je suis allée il y a 1 mois, j'en ai acheté 5, je viens d'y retourner aujourd'hui et il y en a encore. Donc je vous le conseille vraiment pour vrai, si vous dites, moi les shampoings secs, j'aime pas vraiment ça. Avant de vous dire ça, essayez cette marque-là.
c'est sûr qu'il doit avoir des meilleures marques de shampoing sec sur le marché, dans le marché des coiffeuses. Mais pour le marché un peu plus cheap, c'est vraiment excellent. Puis 4$ au lieu de 10$, c'est tout qu'une économie. Ma troisième trouvaille que j'étais vraiment contente, j'ai acheté ces petits plats-là. C'est des petits plats qui sont en vitre. Que tu peux mettre dans le frigo. C'est comme des petits plats de portions. Pour vrai, c'est vraiment cool. Je les trouve vraiment cute. Celles-là, je les ai achetés au Costco. Puis j'ai trouvé le même presque au Dollarama, que c'est encore en vitre, super belle qualité, c'est vraiment cool, c'est un beau plat, une belle portion. Moi j'en ai acheté comme 4, je trouve ça vraiment mignon. Quand j'ai des restants, je mets ça dans mon frigo. Tu peux mettre ça dans le micro-ondes, donc vraiment je trouve que c'est vraiment cool. Et je pense qu'ils détaillaient à 3$ ou à 4$ aussi. Puis même qu'ils vont dans le four. Ouais. Ils vont dans le four et dans le micro-ondes, donc c'est vraiment cool. Ben, je veux dire, le top en plastique va pas dans le four, mais le petit va dans le four. Donc, au Costco, il était un peu plus cher. Celui-là, il était à 3 ou 4$. C'est vraiment un bon investissement aussi. Je trouvais ça vraiment le fun qu'il y en ait au Dollarama. Ensuite, j'ai trouvé une petite plante vraiment mignonne. Okay, d'habitude, j'achète pas des fausses plantes, mais je la trouvais vraiment cute. Je l'ai mis à côté de ma machine à café dans ma maison, si vous avez pas vu mon ancien vlog. J'ai présenté ma maison avant, après les rénovations. Je trouve qu'il y a l'air... Pour elle, elle a pas l'air vraie, mais comme elle est juste vraiment mignonne. Je sais pas si vous la voyez bien. Je trouvais ça vraiment cute. Puis, la seule chose, c'est que je suis retournée tantôt et il y en avait pas. Il y en avait des différentes. Mais d'ailleurs, j'essayais de trouver une plante suspendue au Dollarama que les gens trouvent qui est super belle. Je l'ai pas trouvée non plus. Donc peut-être que le Dollarama chez nous était en manque de fausses plantes. Mais je l'ai trouvée vraiment mignonne quand je l'ai achetée il y a un mois. Mon autre couvercle, c'est ce petit verre-là qui fait super été avec une paille réutilisable. Je trouve ça vraiment cool. Je bois mon eau là-dedans, je bois du jus, je bois même mon thé froid. Je trouve ça vraiment mignon. Je trouve qu'elle est fun, est colorée. Il y en avait plein de sortes, fait que j'en ai acheté 4. Pour vrai, ça, c'est vraiment typique de Dollarama, mais je trouvais ça quand même vraiment mignon. Donc, je vous le conseille. Et ma dernière trouvaille de la journée. Là, mon chien va réagir. Mon autre couvercle, c'est les jouets à chien. Honnêtement, il y a comme une grosse rangée avec vraiment beaucoup de jouets pour chiens. Puis ça a l'air vraiment con, ok, mais ça vaut quand même vraiment cher à l'animalerie quand tu achètes des jouets. Puis c'est quand même des jouets qui sont de qualité. Pour le fun, il y a vraiment une grande diversité. Ellie, elle a comme un gros panier de jouets. Puis son jouet préféré, c'est celui-là ici. J'en rachète souvent parce qu'elle les mange puis elle les brise. Mais je pense que je vous l'avoue. Assis. Assis. Assis, c'est pas chier. Il est parti jouer avec son jouet. Voilà, donc c'est des jouets. Si vous avez un animal de compagnie que vous voulez acheter des jouets au lieu d'aller à l'animalerie ou d'aller à d'autres places, si elle est brise, tu peux en acheter d'autres puis c'est moins cher. C'est comme autour de 3 ou 4$. C'est pas mal ça. C'est ce qui conclut ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié mon contenu d'aujourd'hui. Je sais pas si vous entendez mon chien, mais elle joue avec son jouet. Mais il y a quand même des belles trouvailles et si vous avez pas beaucoup de sous, il y a aussi beaucoup d'assiettes de qualité. Oh oui, j'avais autre chose à vous montrer. Si jamais vous partez en appartement cette année ou en maison, il y a plein de choses que vous pouvez aussi trouver. Comme j'ai trouvé des coupes à champagne, c'était 4 pour 4$ je pense. Puis quand j'ai aménagé aussi, j'ai acheté des petits bols super mignons aussi, très simples. Des petits bols à salsa aussi, je trouvais ça vraiment le fun. Puis j'ai aussi trouvé un beau petit pot qui est aussi dans mon blog sur ma maison, qui va sur mon pot, qui est écrit ustensiles. Je trouve ça vraiment cool, je trouve ça beau. Puis ça reste tout le temps sur mon pot, c'est une belle décoration en même temps. C'est pratique et pas cher. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez faire un petit like ou vous abonner. Ça va vraiment m'encourager à continuer à en faire d'autres. Et sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye! Bon, mais à ce temps que j'ai crissé le bordel partout... Gros ménage!